Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour Mice Edge Wolf Ace Attorney Investigation. Première partie de la fin de l'épisode 5, donc du dernier chapitre. La dernière fois, lors de cette troisième milieu d'affaires, nous avons découvert que Sheena, l'assistante de Feng, je sais plus comment il s'appelle, bref, du mec de Zengfa, était en fait Callisteria, qui travaillait pour une agence de contrebande qui était celle qui a tué il y a 7 ans le père de Kay Faraday, que nous avons retrouvé, qui, après un échange plutôt musclé, une sorte de contre-interrogatoire, de réfutation même, a finalement été arrêté, emmené au Zengfa pour être, accusé. Pour être jugée même, sauf qu'elle nous a donné deux choses. La première étant un indice comme quoi elle n'aurait tué personne, donc ce n'est pas elle qui aurait tué Jean Kestou, du moins c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle nous dit. Et elle nous a donné deux, enfin, elle a donné à Kay qui nous a donné deux baguettes à cheveux qui ont un peu de terre sur leur bout. Et maintenant, nous sommes donc minuit 7, le 15 mars. Le lendemain, nous devons savoir ce qu'il s'est encore passé cette nuit-là. Ouais, je pense avoir fait un plutôt bon résumé. Et c'était elle, le Yatkirazu. Je vous invite à aller regarder la dernière partie, la troisième partie du milieu d'enquête, si vous voulez en savoir un peu plus. Alors, ah merci, un peu de rangement. Ah oui, et une cassette vidéo de Bad, super important, une pièce à conviction super importante, qui est super utile, et comme par hasard, il y avait un magnétoscope. Allez, on y va. Regardons les dessins animés. Yeah. C'est Jean. Oui, c'est Jean. Il est quelque part. Il a un couteau à la main, une carte près d'un parking, enfin d'endroit, dans une rue. Voilà. Le P sans doute. Et cette personne, ce fut Calissaria sans doute. Ou quelqu'un qui connaissait Monsieur Kist. Oh, tu sais, écoute. Ou c'est un indice? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Remets. Benjamin Hunter. Cet homme qui voit à travers les images. Une voiture. Parce qu'il y a un drapeau dessus. Et je sais où se trouve le drapeau. Il se trouve à jouer à la manette, c'est trop bien. Ici, ce drapeau est super important. Et ouais, c'est super important. Ah,
Monsieur Alba. Qu'est-ce que je faisais pendant ce temps? Je me touchais assidueusement mon superbe insigne d'avocat. Enfin de procureur même. Ah oui, si seulement. Avec des si. On pourrait tout faire. Oui, tu es une merde. Pourquoi? Et je peux savoir pourquoi. Ouais bah excusez-nous, hein, la police fait son travail. Si j'ai pas envie. Bah bien sûr que non, bah oui t'as raison. Ah, pour une guerre. Évidemment. Toi t'as une certaine idée, mais je sens que t'es pas serein. T'es pas serein toi. Ouais. Alors. Ah bah oui, surtout. Oui. Ah bah non, j'ai pas envie. Ah mon dieu. Twist. Ah mais il est revenu. T'es revenu? Mais t'es parti il y a 30 minutes. Non, c'était... Non, donc... ok, très bien. Oh, il y a des lunettes. Parce qu'il a décidé de... Voilà, c'est parce que... C'est bien comme raison, parce que... Ah bah, oui. Ah, ah. Désormais suspendre votre enquête. Ah bah oui, évidemment, c'est vrai. L'intense réflexion de cet homme. Choqué l'issue. Passez vite. Oh, il a pas envie. Oui. Et il rigole. Très très bien. Oh, ce coup de bluff qu'il est en train de nous faire. Non, c'est un coup de bluff, mec. Il est en train de bluffer complètement pour gagner du temps. Ah bon? Ah, bon bah d'accord, donc... ce que j'ai dit à peu près... ce que j'ai dit au tout début, vous l'oubliez. Hein. Excusez-moi, je rigole beaucoup. C'est-à-dire que... Deux choses. Si de un, c'est vrai. Premièrement, Capcom, vous êtes des génies. Et de deux, comment? Oui, ça faut être extrêmement... puissant. Ouais. Ouais. Attention.
Oh là là. Il est en train de me faire une chaîne malade. Une fois de plus, et eh ben vas-y. La paille est enchantée. Mais à quand Ace Attorney sur Francisca Von Karma? Moi je veux savoir, je veux! En mieux, Ace Attorney avec Manfred Von Karma, avec des mini-jeux pour se... pour truquer des preuves. Oh, ça serait trop bien. Oui. Effectivement, on est trop lol. Non, restez tranquillement. Les enfants, arrêtez de vous battre. Hein, vous regardez les professionnels. Il a pas l'air rassuré quand même, le bas. Ouf. Ah, trop tard. Ah, j'ai dit ouf. Allez, qu'est-ce que tu pouvais rien faire? Ouais. Too fast for you. On a mis vraiment 50 minutes avant de monter? Je suis pas certain. Alors. J'encaisse tout. Ok. L'arme. Ok, ça c'est compris. Ici. Ok. Donc ça va. Alors, l'arme du crime, c'était la statue de Primidux. Oui, la bonne statue de Primidux. Je suis pas certain de ce qu'il dit. Ah bah, je pense que oui, parce que il n'en rigole pas. Quelque part, ça peut se tenir. Ça peut se tenir. Alors ouais, bon, alors là c'est un poil gros. C'est un tout petit peu gros. Non mais y a pas de certainement, c'est que oui. Oui. Oh, ça fait mal. Ah bah écoute, non, je suis sûr qu'il y a un truc, tu vas glisser sur une phrase. Et moi, bah, je vais te frapper. C'est vrai qu'on a toujours pas résolu ce truc. Oui madame, c'est mon incompris. Ah oui.
Faisons un duel. Donc, alors. Oui, admettons, sauf que là, en fait, c'est le manche. Oui. Alors, comment te dire que autant le couteau, je veux bien, mais la statue, il faut y aller quand même. Ouais, parce que comment tu veux cacher une statue de 50 cm qui est lourde de... Alors, explique-moi comment ce machin, ce truc, hein, qu'on soit d'accord, a pu... passer. Surtout qu'en plus c'est un faux. Eh oui. Bien joué. Et oui! T'auras rien à faire. Alors, je ne suis pas certain. Voilà. Je suis pas d'accord. Ah bah si, complètement que je peux la renverser, mon gars. Ah bah oui, j'ai une idée intelligente, j'ai toujours des idées intelligentes. Je suis intelligent, monsieur. Pas comme certains. Mais je vais te la montrer, mais calme-toi, mon grand. Calmez-vous, monsieur. Alors. Alors. Elle est... Attends. Je cherche. Voilà. Ça. Enfin, lui, plutôt. Ce serait meilleur de prétendre ça. Alors j'ai une idée. J'ai une idée en fait. Ouais. Alors en fait tu vas voir, c'est incroyable. C'est une statue. Alors complètement. Oui.
avec du fil de fer. Avec du fil de fer. Bah oui, sans doute. On va te tenter. Ah, écoute, hein, je mijote un bon petit contre-interrogatoire avec les fines herbes. Parce que c'est bon. J'aime les fines herbes. Et je m'appelle Benjamin Taylor, donc respectez-moi! Ah bah mon karma complètement. Elle serait transparente. Transparente. Complètement. Non. À peine. Mais par contre j'ai juste pas envie de te voir que t'arrêtes de me frapper avec ton fouet. Et t'as pas le choix d'ailleurs. Allez. Allez, merci. Bah tes déplacements, en fait, je viens de le dire. Non, c'est je viens de le dire. Non. Va falloir que t'arrêtes de jouer un moment. Tu vas perdre. Alors. Oui. 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 Ah, il manque un bout de phrase. Il manque tellement de bout de phrase en fait. Voilà, c'est-à-dire attaque toutes ces phrases. Je vais te réfutationner. Oui, alors, oui, tu étais signé à un poste, très bien. Très... Je m'en fous. Le samouraï d'acier, ensuite elle est retournée à la roseraie. Ouais. Après, je fais tout préparatif. Voilà. Merci d'en dire plus. Ouais, tu transpires un peu. Ah, donc déjà, il faut rajouter ça. Exactement. Donc, c'est une première chose. Non, bah, attaquer parce qu'on a. Il me faut plus de détails. Et t'es sûr que c'était. Des fleurs? Voilà. Un arrosoir à la main. Ah, tu penses. Eh ben, une main verte. Voilà. Ah, parce que t'es déçu de pas en avoir de vrais enfants. Les passiflores dans le pot. Elles sont magnifiques. Oh, elles sont pleines de fleurs. Comment ça?
comment ça en floraison? Pourquoi? Non, pas ça, mais après. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'y connaît en jardinage. Mais je pense savoir encore compter. Et à mon avis, il en manque deux. Juste comme ça. Je suis pas encore trop con, hein. Mais faut arrêter de se foutre de moi. Et elle le vit bien. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors, non, c'est pas Frangine, c'est Monsieur Alba. Non mais attends. Non mais attendez! Mais attendez! Ouais. Je vais agir avec douceur en les examinant. Calmez-toi! Pourquoi mon écran est tout noir? Il y a des trous. Voilà. Oui, des fleurs de la... Elle passionne. Ah, aïe. Ah, ça y est, j'ai compris. Eh ben... Je sais où et je sais pourquoi. Ah bah oui. Enfin, je l'ai. Mettons que quelqu'un nous l'a donné. Hein. Regardez. Alors. Regardez bien ces deux baguettes de cheveux. En réalité... Ça n'était pas des baguettes de cheveux. C'était les piquets, enfin les tuteurs. Take that! C'était en anglais, ils ont dû oublier. Des tuteurs? Oh mon dieu! Tout cela n'était qu'en fait un mensonge! Ah bah totalement. Alors la question c'est à quoi ça va servir? En train de m'énerver. Je suis en train de vraiment m'énerver. Ne serait-ce pas l'arbalète?
Voilà. La difficulté. Ah bah si. Ah mais complètement. Voilà. Est-ce que le fil qui relie ces deux bureaux. Ouais. C'est une bonne question. Il y a un fil. LOL. Il y a littéralement un fil. Taf. Littéralement un fil, mon grand mec. Ah. Oh, tu vois ça. Oh oh. Tu recommences. Oh, c'est beau. Oui. Je vais t'expliquer. Regarde sur cette maquette. Et pourtant, Fred, c'est très simple. Exactement. Mais c'est complètement lol. Je laisse cette image quelques secondes afin que vous ayez plusieurs noms de photographes, influenceurs et youtubeurs en tête. Je vous invite d'ailleurs à ne pas les mettre en commentaire et à ne pas aller les voir par respect pour eux, mais vous pouvez toujours les détester. Tu as certes raison, mais... C'était les fils. Les fils, oui. Bah non, le fil. C'est, évidemment. Alors, le fil, il est où le fil? Objection. Eh ouais. Je sais pas, je le dis depuis tout à l'heure, mais personne ne m'écoute. Pourquoi? Il y avait littéralement un fil entre les deux statues. Non, ça... Non, ça vous vient pas à l'esprit. Non, je ne peux rien faire pour vous. Eh ben voilà. Regarde. Regarde ce plan. Oui. Alors, ça c'est une chose. Ah, mais tu poses une question, ma foi, fort intéressante. Ah, mais ça, tu vois, c'est un phénomène physique.
Regarde, c'est un mouvement de rotation. Ça a rotationné. Regarde bien. Si l'on attache une statue au quatrième, et qu'en même temps, on attache une statue au deuxième, sachant que l'une des deux est une statue contrefaite, et donc qui pèse techniquement moins lourd, lorsqu'on va tout lancer, rotation, une lune va descendre pendant que celle qui descend va avoir plus d'énergie que celle qui va monter et l'entraîner. Regarde. Exactement, je suis trop fort. Et en plus il est débile. Il est débile. Il y en avait deux. Enfin, c'était un câble qui tournait. C'est pour ça qu'il y avait deux flèches. Mais il m'énerve. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'exposer. Non, en fait, t'as plus rien à dire. Donc, tac. Eria se place en bas. En haut, se place son complice. On tire le premier truc. Voilà, regarde, et ça explique ça. C'est fou ça, non? Tu m'ennuies, langue. Tu m'ennuies extrêmement beaucoup. Comment ça passe si vite? Oui. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu devrais la voir. Parce que tu es aveugle. Mais où est-elle? Sans doute cette lance qui aurait pu servir. Ou bien même cette arme. Et pourquoi pas ce mur? À moins que ce soit tout simplement le putain de ventilateur. Non, ventilateur. S'il vous plaît, respectez-vous. Ça y est, tu peux quoi faire? Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le problème est résolu? Enfin, on sait comment tout a été échangé. Je dirais que c'est Eria. Bah Eria techniquement. Eria en fait. C'est là, c'est au prochain épisode. Parce que ça se trompe personne. Je dis qu'elle est Staria, mais en fait je doute. Ah bah oui. C'est... Ah moi... Si c'est Alba, mais je rigole fort. Non, en fait pas du tout. Alors... Biascox... Oui. Vraiment? Oui, alors en fait, je rappelle que si ça rame lorsque le menu ça apparaît, c'est que bah... Ça use beaucoup de choses.
C'est un peu compliqué, c'est chiant. Je joue la corde, c'est un peu chiant. Ouais, donc c'est China. Parce que c'est elle qui les avait, non? Oh, c'est Alba. Oh, ce génie. Oh, ce génie. Oh, ce génie. Capcom, vous êtes des génies. C'est des génies. Des putains de génies. Twist. Oh, ce twist. Oh, ce twist. Bon, c'est pas lui qui a tué les gens, mais c'est pas grave. Et il se fout de moi. Mais mais arrêtez, c'est pas très très gentil de... Alors, la raison, mon petit gars. Premièrement, récupérer la vraie statue, car quiconque possède la vraie statue de Primidux possède donc le pouvoir, dirons-nous. Les finances, tout ça. Oui, une seule chose, hein. Parce que après vous n'allez rien comprendre et vous allez m'énerver. Et si nous regardons justement la statue d'Alabaste, on remarquera quand même que il y en a une qui brille un peu plus que l'autre. Hein. Regardez bien. Si je zoome un petit peu. Ah, je peux pas zoomer plus. Ouais, j'arrive pas à zoomer. Je vais vérifier si ce que je vais dire est juste. J'ai un doute. Ah oui, c'est vrai qu'elle est complètement brûlée, celle-là. Ben non, c'est le bas, en fait, parce que c'est là où était. Voilà. Voilà, c'est parce que... Taisez-vous. Ah bah non, c'était ça en fait. Oh, comment il ne respecte plus personne, Lang. Alors que Alba ne parle pas. Et Jupiter. Ah bah. Alors. Examinons cette statue. Alors, comment c'est pour zoomer? La trace de mort. Oui, non, ça c'est normal. Non, mais ça c'est normal en fait. Oui, c'est normal. Non, mais c'est pas ça que je voulais, mec. Qu'est-ce que je pourrais examiner? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose. Où est-ce que je le vois, la fonte? Ah ouais, mais... Waouh. Ah oui, ça rame du coup. Ne vous en faites pas. Cela est normal. Enfin, non, pas normal. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais ne serait-ce pas des... faux billets? Est-ce que ça bouge aussi? Oula! Ah non, elle est ouverte. Non, elle est ouverte. C'est moi, excuse-moi. On dirait les faux billets. Excusez-moi, c'est un... Voilà, normalement ça devrait aller là. Des faux billets? Des moules, t'as faux billets? Une planche. Oui, une planche. Oh, mais c'est pas très très bien. Donc, l'ambassadeur Alba est coupable de faire passer de la contrebande d'argent. Du blanchiment d'argent. Attention. Mais ça a l'air super important. Vite!
Je le range dans ma poche. Oui, alors je suis désolé si ça rame, je m'en excuse. Et paf la tête. Paf la pastèque, comme diraient les gens du stream. Même. Alors je suis désolé parce que si ça rame. Normalement ça devrait aller, c'est juste parce que changement de décor, ça rajoute des couches. Et ce serait un twist. Est-ce que c'est un twist? Ah, je vais savoir si c'est un twist. Ah mais il a des bruits. Non, il n'y a pas de bruit. C'était un twist. Eh oui, la subjectivité. N'oublions pas que ce sont des notions. C'est une notion qui s'est énormément perdue ces derniers temps. Que ce soit dans la vie réelle que dans le jeu vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les avis subjectifs, c'est vachement trop bien. J'ai calé ma petite pub, je suis content. Pour ceux qui sont restés pendant 3 quarts d'heure. Mais ça, c'est pas grave. Il a compris. Il a compris, il est futé. Enfin, j'espère. Oh, un autre twist. Attention. J'ai rien compris. C'est ce que j'avais dit, un coup de bluff. En fait, il a fait ça au bluff. Et c'est beau. C'est extrêmement beau. Une logique incroyable. Entraîné par les meilleurs. Peut-être pas les certifiés, mais les meilleurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça va s'arrêter comme ça quand même. Ah bah non, la musique s'est arrêtée déjà. Formel. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Enfin, c'est une excellente phrase. Comment le prouver? Et ça, j'ai envie de vous dire que on va le savoir. Du moins, j'espère. J'ai vraiment envie de le savoir parce que waouh, il y a eu un twist. Ça se trouve, tout le monde est embarqué dans cette affaire. Tout l'ambassade est embarqué dans cette affaire. Et là, ce serait tellement beau!
Moi, je suis pas d'accord. Bah parce que, hein. Actuellement, non. Mais il est vieux. Il est vieux, c'est pour ça. La vieillesse qui l'envahit. C'est donc ça, son point fort. Ah bah oui, ça serait bien. Bah fouille tes poches. Il y a... plusieurs jours. Ces deux personnes... Voilà, donc, sont illégales, donc inutilisables. Mais comment faire? Je te rappelle que je suis procureur, Benjamin. Et là, c'était il y a 7 ans. Ah bah tiens. Non bah tiens. Pas ça alors. Et en fait... Ah mon dieu, ça y est, il est en train de réfléchir sur sa vie. C'est, il est en train de se poser des questions, donc on a perdu Benjamin Hunter. Je vais faire l'illégalité. Voilà. Bah, pourquoi les lois ont-elles carré? Pour qu'on les dépasse. Voilà. Est-ce que tu reconnais ceci? Oh, je me demande bien ce qu'est cette carte. Ah là là. Ce jeu d'acteur. Ah, donnez-lui un Oscar. Oh, wow. Ce monsieur Jean Christou, mais je ne connais pas ce personnage. Parce qu'il m'a été remis en main propre. Oui, exactement. Mais je suis sérieux, monsieur. Ah, on m'a donné une cassette vidéo aussi. Hein. Celle-là, elle m'a été remise par la police. Par contre, attention, ce n'est pas pareil. Voilà, il est en train de me la faire à l'envers. Ah bah non. Ah bah non, quand même pas. Ah oui. Alors, que va-t-il se passer? D'accord. Il est 1h34. Mais je vais te le montrer. Oui, là c'est en train de ramer, il y a beaucoup trop de personnages à l'écran. Excusez-moi de ne pas avoir le bête de coupette. Ici un enregistrement. Ah, tu le vois? Mais comment peut-on le voir? Je me le demande. Regardez bien cette main. Juste là, ici. Là je m'imagine Benjamin Hunter qui est en train d'essayer de désigner les cartes avec son doigt. Quand vu comment j'utilise ma tête ici, là, ici, exactement dans cette main. Regarde bien, il porte une carte dans sa main.
Regarde bien. Oh, ça rotationne! Regarde bien ce sang. Tu veux d'autres preuves? Regarde bien, il y a une voiture. On peut faire ça? Ah ouais, mais carrément. Mais ils ont des magnétoscopes du futur en fait. Et regarde bien, ici, juste là. Mais qu'est-ce que c'est que nous? Mais... Mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Ah bah dis donc. Ah là là. Est-ce que tu as assez de preuves? Ah, je sens que tu vas faire une attaque cardiaque. Je crois que oui, tu es en train de faire une attaque cardiaque. Est-ce qu'il va craquer? Ah, ça y est, il craque. Bon, on n'a pas l'image, mais tant pis. Breakdown! Oh oui. Oh oui! Oh, il est beau! Ah oui? C'est qui l'a comme ça, le petit vieux? Oh, il se tripote la médaille. Il se tripote la médaille. Que puis-je utiliser? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose dans le reflet? Ah oui. Dommage. Tu viens de t'accuser tout seul. Oh, tu viens de te faire avoir tout seul. Ah, tu perds des bouts de peau, je crois. Non ? Ça y est, j'ai gagné. Oh là là, c'est pas fini. Ici, puis aller si loin. Oh, il utilise des termes. Oh, il accepte la défaite. Ou alors un twist. Il va se casser. Ah, ça y est, j'ai gagné, donc. Oh là là. Il accepte la défaite, quand même. C'est beau. Légitime défense de quoi? Ah bon? D'accord. D'accord, tu me l'expliques alors, sans doute. Tu me l'expliques, s'il te plaît. Bah oui, parce que... Bah oui, il me faut, quoi. Une trace. Alors, attention, vas-y. Oh, une tire par balle. Ou une piqûre. Il a levé la main. Quand je lève la main, vos bouches se ferment. Tu as l'arme. Tu as caché l'arme. Oh, c'est beau. Vu que je suis... Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ton cicatrice...
quoi? Mais c'est nul! Mais c'est nul! Il t'a piqué avec un... Je suis déçu. Je suis déçu, c'est drôle. Ah bah complètement pour le coup. On analyse... Il y avait du vent, évidemment. On analyse le son et je pense que c'est bon. Oh, nous sommes dans un ambassade, c'est ça? Nous sommes dans une ambassade. Effectivement. Ou l'extraterritorialité, oui. Interpol, c'est des branleurs. Vous êtes chiant. Vous êtes très chiant. Je vais me permettre, vous êtes extrêmement chiant. Oh là là, mais qui... Mais moi, j'aurais pas cru que le petit vieux, il puisse... Déjà former contre moi, mais en plus tuer des gens. Oh là là, je suis choqué. Merci Capcom. Je vous ai dit qu'il fallait jouer, cette année. Je vous l'aurais dit quand même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et en plus, c'était le chef de contrebande, donc on a résolu une partie de l'affaire. Enfin, on a aussi su comment les deux statues ont été changées et qui a tué Masque de Masque numéro 2. Mais nous ne savons toujours pas. Certaines choses en fait. Voilà. Il y a des choses qu'on sait toujours pas en fait, je pense. Parce que première partie, il va y avoir au moins une seconde partie. Oh là là, à suivre. Même pas on t'explique ce qui va se passer, c'est juste... voilà. Fin. Oh là là là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'était bien. C'était ouf. Oh, c'était ouf. Oh, c'est... Ah, mais j'en veux tous les jours des épisodes comme ça. Le petit vieux, là. Moi, je tiens toujours à dire que Palainu, il est pas clair. Hein. À moins qu'il soit extrêmement con et qu'il joue bien le rôle de con, ce qui fait que ça mène à son accusation et à le suspecter alors qu'en fait il a rien fait. Ah, c'est beau. Ah, c'est... Oh là là là. C'est... Mais jouez-y, c'est trop bien. Donc du coup, nous avons résolu quand même pas mal de choses. Mais, d'ailleurs, je vous le redis. Je pense qu'il aurait resté pas mal de choses, je pense, et j'espère que nous en saurons plus, soit dans la partie 2, qui peut être dans la partie, soit dans la troisième partie, qui sera la vraie dernière partie. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, je vous invite vraiment à donner vos impressions sur cette partie avec ce twist incroyable de Carcus Alba qui n'est pas clean, qui est le chef de la contrebande. Est-ce que vous le saviez? Moi je le savais pas. Là Capcom m'a eu complètement. Je vous invite aussi à mettre un like, à partager la vidéo si vous le voulez,
à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite du jeu et pour si le contenu vous intéresse, à me suivre sur le Twitter où je suis le plus présent et vous avez dans la description le lien du Discord si vous voulez vous vous amener sur le serveur. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.